Bien le bonjour, on est en direct, ça y est, c'est parti pour ce Juste Bistrot, vous le savez, le rendez-vous sur Twitch, que du plaisir, avec aujourd'hui une fois de plus, voilà. Déjà le plaisir d'être ensemble, avant toute chose, voilà, l'évidence même, le plaisir d'être ensemble, beaucoup d'actualités, voilà, épisode spécial sur cette affaire à l'Assemblée nationale. Du miel, mais qualité supérieure. Ça, c'est pas premier prix. Là, c'est ce qu'on peut faire de mieux. On va y revenir. Et puis, bien sûr, c'est aussi le plaisir parce qu'après, c'est les vacances. Et oui, après, on ne se voit pas pendant une semaine, un petit peu plus d'une semaine même. On se retrouvera pour le Juste Bistrot. Ce sera mardi 15, si je vous dis pas de conneries. Donc, que du plaisir, les amis. On va finir cette semaine ensemble. Et puis après, olé, direction Espagne. Que du plaisir. Donc voilà, les amis. Voilà, on finit ensemble avant voilà, d'aller au soleil. Je vais me régaler. Voilà, mais vous allez me manquer. Voilà, je le dis. Alors, on me dit le son est pas ouf. Alors attends, bouge pas. Est-ce que je peux bricoler? Est-ce que c'est mieux là? Allô, Houston à la base. Est-ce qu'on m'entend? Je peux peut-être toucher les paramètres. Alors, ça a peut-être explosé, mais après, on. Ça, on ne sait pas. Ça, on sait pas. On croise les doigts. Voilà. Donc, les amis, voilà. Quel plaisir. Quel plaisir. Aujourd'hui, beaucoup de choses. Je remercie, bien évidemment, mon DanBossFR que j'embrasse. 9e mois sur Twitch hein, de sub. Je pense qu'il est dans le record. Là, c'est temps de gestation d'un humain. Donc là, on est sur. C'est incroyable. Merci également à Tartampion34. C'est le 6e mois. Complètement fou. Les amis, que vous dire aujourd'hui? Que d'actualité encore aujourd'hui? Ça part dans tous les sens, ça part en couille sur cette affaire de racisme à l'Assemblée nationale. Alors, bien sûr, ceux qui attendent de moi une condamnation ferme hein, de ce qui s'est passé, genre, ah, le racisme, c'est pas bien, putain. Oh, non, c'est pas le bon endroit. Une fois de plus, on va creuser, quitte à être un peu grognon, mais c'est vrai que bon, voilà. Le cirque Pinder nous a fait un nouveau numéro aujourd'hui, mais qui n'est pas déplaisant, mais le jeu d'acteur, pas ouf. Hein, le jeu d'acteur, vous allez voir, ils ont mis un clown aux premières loges, pas dingue, pas dingue. On va revenir sur tout ça. D'ailleurs, petit appel, vous le savez, hein, si vous voulez intervenir sur ce sujet, parce que bah, forcément, on va parler de la France Insoumise, donc je sais que ça fait réagir, et c'est normal, c'est le but du jeu. Vous pouvez intervenir sur Discord, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas fait. Si vous êtes sur le Discord juste milieu, on peut faire un appel vocal, en fait. Et comme ça, vous êtes en direct et on vous entend et on peut débattre. C'est la radio libre juste milieu. Ça fait un bout de temps que je ne l'avais pas fait. Et vous êtes nombreux à me dire, bah, Rémi, qu'est-ce qui se passe, Rémi? Et vous avez raison. Vous avez raison. Donc, si vous voulez intervenir, donner votre avis ou seulement papoter sur ce sujet, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. En régie, voilà, en régie, normalement. Je crois que je peux gérer ça. Au pire, on appellera au secours, Edouard. Mais je crois que je peux gérer ça. Il me semble que. J'avais réussi une fois. Ouais, il faut sélectionner quelqu'un, puis tu fais un truc. Enfin, bon, bref, on va se démerder, hein, classique. Hein. Donc, voilà, si vous voulez déjà intervenir, vous pouvez le dire dans le chat, hein, là, sur Twitch, et puis après, on bascule sur Discord. Voilà, un peu les amis, ce sujet-là, c'est le sujet numéro un, parce que, bon, bah, au-delà de ça, 49-3, chat dépecé en Moselle, enfin, la routine, quoi. Ouais, là, tranquille. Salah Abdeslam qui se marie en prison. Darmanin qui est toujours un tocard. Enfin voilà. Non, mais rien d'extraordinaire en vérité. Hein. Rien d'extraordinaire. Hein. On part en vacances sereinement. Absa Toussi qui décarre dans le Parisien. Éric Zemmour m'a pourri la vie. Ah, il vous a pourri la vie, cher Absatou. Il vous a au moins pas permis de parler dans le Parisien 4 ans après les faits. Hein. Parce que sans cet événement-là, on ne sait pas qui c'est. Hein. Donc bon, donc voilà, on va revenir un petit peu sur tout ça. C'est voilà, c'est le plaisir finir sur une bonne note parce que bah putain, ce qui s'est passé résume en fait ce qu'on se dit sur Twitch depuis un bout de temps. Hein. C'est assez lunaire. On a un peu de football aussi avec le PSG deuxième. On peut parler de tout, hein. On peut parler de tout, mais. Voilà. On va attendre 11h30 pour attaquer le gros sujet, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, voilà, Juste Bistrot, c'est 11h30, on a commencé plus tôt, voilà, parce que je suis bien avec vous, c'est tout, c'est comme ça fait plaisir. Donc,
Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Si l'actualité forte en ce moment sur Juste Milieu, c'est les sondages, vous le savez, hein. On accélère la cadence là-dessus. L'Institut de sondage Juste Milieu, les justes sondages, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais on bricole, on a de quoi faire. Et ce sondage hein, qu'on a lancé hier, il y a déjà plusieurs centaines de réponses. Donc n'hésitez pas si vous voulez donner votre avis. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent participer. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Ça bouge un petit peu. Hein. Ça bouge un petit peu. On a, si je ne vous dis pas de bêtises, la HAS qui a saisi, je ne sais plus quelle instance, on va chercher ça ensemble. Tac, 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 si je dis pas de bêtises, j'ai vu passer ça sur Twitter. Voilà, c'est Florian Philippot qui a parlé de ça. François Braun va saisir la Haute Autorité de Santé sur la réintégration des soignants suspendus. Bon. Je ne sais pas si ça va changer le goût de la soupe, mais à voir. Merci à Shira 3005 qui vient de sub. Merci beaucoup, troisième mois. Ça fait plaisir. Très bonne vanne d'AdBossFR. Et c'est vrai, petite information économie et géopolitique. Hein, on apprend, on me dit dans l'oreillette, l'Espagne s'est fait livrer 2 tonnes supplémentaires de poulpes. On se demande quelle personnalité par là-bas dans les jours qui viennent. Très bien joué. Info logistique, effectivement, l'économie, hein, tout va très vite. Tout va très vite. Sur Juste Milieu, ça c'est vrai. Information, trafic également. Nono la Savoie 74 qui dit, t'as pas conduite après, si, mais c'est à 15h15. Voilà, comme ça, vous savez tout, on a le temps. C'est la dernière épreuve de ma semaine. Après, j'enfile les tongs. Vamos à la playa. Hein. Après, là, je ne réponds plus de rien pendant un mois. Je vous le dis, hein. On part sur une dynamique de vacationnaise comme Jaja. Ça, je vous le dis tout de suite. Merci à Sabouleux. Merci beaucoup, Subprime également. Que du plaisir. Cinquième mois. Merci, mon Sabouleux. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est plaisant. Donc, voilà un petit peu ce tour de l'actu. Hein. Ce tour de l'actu. Voilà, quoi. Non, mais j'ai hâte. Hein. J'ai hâte d'attaquer le gros morceau, là. Tu vois. Tu sais, on est tous un peu dans les starting blocks. On attend tous ce passage-là parce que ce qui s'est passé est absolument débile, une fois de plus d'ailleurs. Enfin, au-delà de débile, c'est terrible. Ça donne envie de chialer, même, j'ai envie de vous dire. Ça donne envie de chialer. Donc, on va y aller. On va y aller. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Pas beaucoup de choix. Ouais, c'est. Il y a une séquence aussi qui m'a sidéré. Je regardais ça avant. Alors, c'est pour commencer à être grognon, en fait, pour se mettre dans une logique de grognonnerie, parce que j'en vois certains qui sont encore le sourire, tu vois, qui se disent, vous voyez qui c'est? Ruby Nicara. C'est une influenceuse qui avait fait parler d'elle, parce qu'elle vendait l'eau de son bain, tu vois. Bon, vraiment, on est sur, voilà, niveau projet de carrière, on est au-dessus du couvercle des chiottes. Hein. Vraiment, c'est... Et il y a eu une séquence dans Touche pas à mon poste, tu vois. Vous connaissez la maison, je fais les critiques un peu faciles sur Touche pas à mon poste, c'est de la merde et tout, bon pourquoi pas. Mais il y a parfois des séquences où des mondes se confrontent, tu vois. Et c'est une séquence que je voulais vous montrer avant de parler de l'Assemblée nationale. On est à peu près au même niveau d'ailleurs, donc c'est pour ça que ça nous place hein, une émission Twitch. T'as la dame donc, qui est invitée chez Touche pas à mon poste et elle se fait prendre une branlée intellectuelle par... Guillaume Janton, qui est chroniqueur et producteur Téloche, chroniqueur chez Touche pas à mon poste. Alors Téloche, rien à voir avec son intervenante du soir. Mais c'est terrible. Merci à Niten, sixième mois, merci beaucoup pour le sub. C'est honnêtement, alors bien sûr, c'est pas apostrophe non plus, on s'attend pas à un grand niveau de manière générale, mais il peut y avoir des débats intéressants, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est quand même grâce à Touche pas à mon poste, enfin, en partie, qu'on a vu émerger une figure comme Fabrice Divizio. C'est un des rares espaces où on a pu un peu discuter quand même pendant le Covid. Donc c'est pour ça que les critiques sur Touche pas à mon poste, je suis jamais trop à l'aise. Mais là, si vous voulez une sorte de radiographie du néant intellectuel de l'époque, c'est la séquence que je vais vous montrer. C'est un néant intellectuel, je suis un peu fort de café. Mais je vous mets, voilà, une trente d'échanges. Et Béatrice Rosen, absolument, Ben Talagan. C'est quand même grâce à Touche pas à mon poste qu'on a vu émerger aussi Béatrice Rosen. Donc voilà, pour ça que je taille pas trop. Mais je vous mets la séquence. Je vais enlever ma tronche, regarde, maintenant je peux enlever ma gueule. Et voilà. Bonsoir, bravo! Ça va pas du tout! Misogyne, ça veut dire quoi? Je vais prendre. Misogyne, ça veut dire qu'il est les femmes! La soupe, Mison? Mais non.
Rubini Cara, quand je vais prendre un petit déjeuner à 8h du matin, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à moitié à poil à côté de moi, que ce soit un homme ou une femme. Ok, mais elles s'habillent pour elles, elles veulent plaire. Mais non, mais arrêtez, en fait, ton seul argument, c'est de crier à la misogynie, au machisme. Mais c'est toi, Rubini, qui réduit. Si elles ont envie d'être jolies, moi, j'ai envie d'être jolie. Non, tu es jolie. Moi, je suis en France, ok. C'est vous, chut, laisse-la parler. Ici, c'est la liberté. Il y a un moment, il faut arrêter. Moi, je suis en France. Ici, si j'ai envie d'aller n'importe quelle heure, hein, dans un restaurant et j'ai envie d'être jolie, je le fais pour moi. Maintenant, s'il y a des hommes qui ne savent pas se tenir, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que... ce n'est pas possible. Non, mais... On a perdu la 4G. Mais parce... Petite pause, parce qu'il y en a qui sont en train de vomir. Ça va bien se passer. Calmez-vous, ça va bien se passer. Parce que c'est pas fini. Et Guillaume Janton, justement, va lui répondre. Et c'est surtout la réponse de Guillaume Janton qui est intéressante. Parce qu'il résume un peu, je pense, ce qu'on pense tous hein, dans le chat. Vous allez voir. Là, on est sur une belle punchline. J'enlève ma tronche. Enjoy. T'as pas un édito à faire ? Non. Non mais c'est pas possible. Tu mets des verbes. Non mais en fait ton seul argument c'est de crier au machisme et au sexisme. Mais pardon, c'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel, à de la provocation sexuelle, à montrer en permanence ses formes et à n'exister à travers ça. Et je vais vous dire pourquoi vous le faites. C'est misogyne ce que t'entends. Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi vous le faites. Parce que vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. Et on est malheureusement on vit dans un monde où c'est mieux payé de se poser en string dans un lit que d'aller bosser et ça je trouve ça déplorable. C'est tout. Je sais tes matchs hein, sur cette séquence. Et c'est vrai que c'était surtout pour l'avis, je vais pas vous mentir, l'avis de Guillaume Janton qui est intéressant et qui résume pas mal à la fois la dynamique de gens qu'on peut voir sur Touche pas à mon poste, mais plus généralement tout ça, quoi. Génération Labila et compagnie. Ça, c'est main opposée, Richard, tu vois, hop. Là, bon, bah, c'est lifté, elle a pas touché une bille. Hein. Donc, non, le... J'aime bien l'argument se tient. Ça me plaît, ça me parle. C'est la France que j'aime. Donc, tu vois, c'est juste mieux. Je t'amène sur Touche pas au poste. Tu dis merde, qu'est-ce qu'il a ? Il est devenu fou. Et là, paf, une séquence où tu dis tiens, ah, il y a du travail. Ah non, c'est du boulot. Hein. Attention, hein, c'est du boulot. Mais il y a Miss Dins qui dit effectivement, vous êtes des grognons aussi. Miss Dins qui dit quelle hypocrisie quand tu passes ta vie à les inviter. Ah, ça, c'est pour le coup, ça, c'est Hanouna, qui est producteur et animateur d'émission. Donc, c'est lui qui cherche cette affaire-là. Guillaume Janton, en tant que chroniqueur, je trouve ça plutôt cohérent, quoi. Je Pils, merci, c'est Subprime, c'est deuxième mois, merci beaucoup. Al Canard qui dit, mais c'est pas du tout réducteur, ça, vous êtes d'une génération, blablabla. C'est un peu globalisant, voilà, tu vois. Ça, c'est Maître Gims. Elle est pas content, Maître Gims. Merci à Dadao76 qui vient de donner 100 bits. Là, ça ferait pas lire. Non, mais une influenceuse. Donc non, voilà, c'est un peu englobant, votre génération. En même temps, c'est pas complètement faux non plus. Ah, le smartphone, c'est super, le smartphone. Je dis pas, parce que ouais, y a des gens qui peuvent regarder juste mieux sur le smartphone. Donc, si ça a été inventé pour une bonne chose, c'est bien celle-là. Et je dis ça en toute objectivité. Voilà, hein, non, mais j'entends les arguments. Mais c'est vrai que, de manière générale... Attends, on en parlait avec Edouard au café ce matin, entre 8h et 10h30, c'est pas la question. Et tu sais, bon, je retourne à Barcelone. Ouais. Comme j'aime bien un endroit, j'y vais. Bon, c'est la troisième fois en un an et demi, mais c'est pas grave. Il y a plein de restaurants que j'ai pas fait encore. Et tu vois, on rigolait sur la Sagrada Familia. C'est à Barcelone, cathédrale moderne, on est là, tu vois. Et je vais raconter des trucs. Parce que j'ai un jeu, bon, je vous raconte, parce qu'on est copains, c'est normal. J'ai un jeu qui est extrêmement malsain, je ne vais pas vous mentir non plus. Mais c'est de se poser, tu vois, devant le lieu, ou autour du lieu, tu vois. Tu te poses contre une barrière, lunettes de soleil, espion soviétique, comme ça. Hein ? Oui, je m'appelle Bogdan. Et là, tu regardes les gens se prendre en photo. C'est terrible. C'est terrible. Tu sais, la transformation des visages, le faux sourire pour bien paraître sur la photo, tous ces trucs-là, tu vois. Moi, ça m'intéresse parce que je suis anthropologue, un petit peu. Des fois, le samedi après-midi. Je suis anthropologue. Et c'est très intéressant. Et ce qui est zinzin aussi, c'est... à l'intérieur. Une fois, j'ai vu une dame, et à mon avis, c'est courant, hein, c'est courant comme tout. Puis, c'est pas pour jouer au vieux con non plus. Moi aussi, j'ai le smartphone, tu vois, il est là. Je reçois, je pianote, tu vois, j'ai le smartphone. Mais c'est vrai que... une fois à l'intérieur, j'ai vu un truc qui m'a sidéré. Tu sais, c'est une cathédrale.
Donc, c'est pas non plus Disneyland, tu vois. T'as des gens qui prient. Donc, au bout d'un moment, bon, faut avoir une fâcheuse tendance à fermer ta gueule, tu vois. Et tu sais, j'étais posé, j'étais sur un banc, tranquille, tu vois. Je regarde les... Bon, c'est sublime, donc de toute façon, tu peux regarder de partout, c'est magnifique. Et là, je vous jure, t'as une touriste, j'imagine, qui débarque. Elle se met comme ça, tu vois. Tu sais, la photo à la con, tu vois, avec une perche, une merde. Et derrière, tu sais qui y avait? Jésus. Jésus-Christ, lui-même. Alors, bon, sur la croix, effectivement, c'est pas le vrai gars, c'est pas le vrai gars. C'est la croix, c'était dans une église. Puis elle est jolie dans la Sagrada Familia, en fait. Tu sais, elle est suspendue et t'as une couronne avec du vin, du pain. Je peux t'expliquer, je suis quasiment guide touristique à force. Et tu vois la dame faire le selfie, bonnard, tu vois, avec Jésus-Christ derrière. Et je pense que s'il avait pu, il serait comme ça, Jésus. Après, bon, léger problème de. Voilà, effectivement, tout ce qui est poutre, mais c'est vrai que c'est redoutable. Il y a Bobby Isback, le retour, qui. Alors, c'est encore pire, non, c'est terrible. Tu sais, Rémi, en tant qu'anthropologue amateur, j'ai vu les mêmes prendre des selfies devant le portail de Auschwitz. Ah, mais ça m'étonne même pas, tu vois. Ça m'étonne même pas. Et c'est assez sidérant. C'est pour ça, le vote génération, c'est pas tous les jeunes, bien sûr, il y a encore de l'espoir, on est bien d'accord. Mais quand même, tu vois. Puis d'ailleurs, c'est pas forcément des jeunes avec le smartphone, ça c'est vrai aussi. Merci à Julien54601 qui vient de se prendre un quatrième mois. Merci beaucoup, camarade. Donc non, petite parenthèse, j'ai déjà la tête en vacances, je vais pas te mentir. Je suis déjà là-bas, en fait. Ah ouais, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. J'ai repéré un endroit qui a l'air complètement fou. Ça, c'est la Obelia Negra. T'as deux bars comme ça à Barcelone. T'en as un qui est immense. Vers la Marina, t'as des baby-foot. Ils font friperie et tout. Ça a l'air génial. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais tu vois, typiquement, je vais y aller. Oui, vous vous en foutez. Vous êtes tous là pour ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je pense sincèrement que mes vacances sont plus intéressantes. Ouais. Si je pense. Je pense sincèrement. Après, bon, voilà, si ça vous fait chier, ça vous fait chier. Non, mais on parle un petit peu Sagrada Familia, ça c'est vrai que c'est le plus intéressant. Il y a Virum Sicarius qui dit la Sagrada Familia est très jolie avec la différence de style des tours. Ouais, c'est sublime. Différence de style sur les façades également. La façade sud qui a été réalisée par Gaudi lui-même et la façade nord, parce que Gaudi est mort, a été faite par un autre artiste espagnol, catalan également. Je ne sais plus quel est le nom exact, mais les différences sont. Enfin, vraiment, vous faites le tour, ça n'a quasiment plus rien à voir. C'est magnifique. L'autre côté, avec les têtes un peu allongées, il y a une tendance Giacometti qui aurait pris un Nexa, et c'est pas mal. C'est pas mal. Je crois que c'est Fernand Yates ou un truc comme ça. Un nom catalan, tu vois. Tu as des W, tu as des choses comme ça. Non, c'est sublime. Hein, ça. Les couleurs, les vitraux sont sublimes. Ouais, je peux vous parler pendant 2 heures de ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. On en reparlera peut-être après parce que c'est pas le sujet initial. Mais oui, il y a Aurélien 2 pardon, qui dit c'est comme la gamine de 13 ans qui chouine pour avoir un emoji lunette. Ah ouais, putain. Ça, oui, ça faut qu'on en parle aussi. Ah ouais, non, non, mais aujourd'hui, c'est une émission, on est sur un max de grognonnerie. A lot of grognonades. Mucho grognones. Ça va être. Je vous la mets la séquence parce que c'est quelque chose aussi. Le syndrome Greta Thunberg de ces jeunes qui se prennent pour le centre du monde alors qu'ils sont plus ou moins que des trous du cul, c'est un peu rude. Je suis désolé, c'est un peu rude, mais on est tous passés par là. On était tous jeunes, on était tous des connards. Personnellement, moi j'ai pas beaucoup évolué, mais faut pas se mentir non plus. Ça suffit au bout de prendre des pincettes, on n'en peut plus. Je veux dire, va réviser ton histoire géo, puis arrête de nous faire chier avec tes émojis lunettes. Non, mais c'est pas une blague. Regardez la séquence. Ouais, ça y est, je suis en train de m'énerver en fait. A small change that can make a big difference in people's lives. Son combat des émojis à lunettes. Ah, j'ai envie de chialer. They've already added skin color and hair color, which is amazing. And we're just asking for the small change that can make a big difference in people's lives. Lots of people, they get their glasses all around the world, but they don't want to wear them for fear of being different or uncool. And I don't think that's really fair because we need glasses to see. It's slowly but surely it's getting better, the stigma, but we just really want to ban it and so that more people Oh, like ferme-la. Oh, ta gueule. Voilà. Non, c'est violent, mais j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Peut-être que je suis en train de devenir un oncle relou, mais j'en peux plus de ces jeunes qui réinventent la poudre.
T'as rien vécu, comme dirait Fabrice Eboué. On n'en peut plus. Jean Moulin, prends ça, Jean Moulin. Son combat, l'autre, elle veut mettre des émojis à lunettes. Bordel. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais t'es qui au départ? Tu représentes le lobby des opticiens, peut-être? Tu es qui? Tu es qui, bordel? On n'en peut plus. C'était bien. La jeunesse. C'était bien. Quand je suis énervé, je suis galabru. J'en peux plus, bordel. Non, mais au bout d'un, faut se le dire aussi. C'est bien, vous connaissez la maison, je prends des pincettes, je fais tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Sur les sujets d'actu, parfois j'ai aussi le droit de m'énerver un petit peu. Il est où cet intent grognon là? Foutez-moi ça sur la Game Boy, ça ira plus. On n'en peut plus. La jeunesse. Putain. Mais t'es qui en fait, Laurie Moore? C'est ça ton problème? Tu te réveilles? Tu veux des émojis à lunettes? C'est quand même curieux qu'ils ne demandent pas des émojis avec un cerveau quand même. C'est fou ça. C'est toujours sur les caractéristiques dont on n'a rien à foutre. Putain, mais des émojis lunettes, ça va changer quoi dans ta putain de vie, Laurie Moore? T'as 13 ans. T'as 13 ans, Laurie. Qu'est-ce qui se passe à 13 ans? Va écouter Justin Bieber et ferme ta gueule. On n'en peut plus. Non, mais on n'en peut plus, je veux dire. Bon, Greta Thunberg, pourquoi pas, tu vois. T'avais un truc, l'écologie, c'est quand même, pourquoi pas, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais, Laurie Moore, tu fais des... Et quand t'auras ça, tu fais quoi? Tu te suicides? Ta vie a touché, ça y est, son but suprême. Et comme le Christ, tu meurs sur la croix, avec écrit optique 2000 sur le cul. C'est ça la fin de l'histoire? On part là-dessus? Non, mais on n'en peut plus, je veux dire. C'est bien que les jeunes s'engagent, c'est super, je dis pas le contraire, mais engagez-vous sur des vrais trucs. Il y a des Somaliens qui crèvent la dalle, qui ont le même âge que toi. Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer de ton émoji à lunettes? Ils ont même pas de lunettes. Ça va, quand tu vois que ton bol est vide, t'as pas besoin des lentilles, bordel. Non, mais ça m'énerve. Et puis, tu vois, on regarde ça avec sérieux. C'est aussi ça qui m'énerve, la posture médiatique de BFM TV qui va faire un putain de reportage sur cette dame. Elle est respectable comme tout, mais t'as 13 ans, Laurie. T'as 13 ans. Hein? Donc tu fais des coloriages, des colliers de nouilles, et t'arrêtes de nous emmerder. Parce qu'au bout d'un moment, ça va, tu vas rien changer, en fait. C'est là où Greta Thunberg, à la rigueur, si tu veux, il y a un engagement, pourquoi pas, tu vois. Mais là, tu vas rien changer, ma grande. Mais vraiment rien. Une fois que t'auras tes putains d'émojis, tu vas retourner chez toi et tu vas fermer ta gueule, en fait. Donc, le mieux, c'est anticipe, puis tes émojis, tu te les ranges, parce que c'est bon, quoi. Non, on n'en peut plus. Cette espèce de faux combat, de donner une importance, c'est très bien, les jeunes, je te dis pas qu'il faut pas les écouter, mais là, il y a une inversion des valeurs, t'as des trucs qui deviennent terribles, quoi, maintenant. Maintenant, t'as n'importe quel jeune qui débarque, nanti, qui vient d'une bonne famille et compagnie, on va faire des heures et des heures, parce que il voudrait des pâtes en forme de symbole LGBT. Non, mais tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Dans la même société, cette dame, elle est britannique, t'as des jeunes qui peuvent même pas aller à l'école, c'est une galère, qui n'ont pas à bouffer tous les soirs. Aujourd'hui, en France, t'as des étudiants qui n'ont pas à bouffer, ils ont des portions terribles avec des sandwichs à la salade, et on va faire la une sur cette connasse. Non, mais ça... J'enlève connasse, c'est pas bien. Sur cette jeune fille qui nous dit des conneries. Tu vois. Non, j'enlève, ça, c'était un peu méchant, je m'emballe. Excusez-moi, madame, pardon. Je présente mes excuses. Mais non, mais on en peut plus, quoi. BFM TV, faites des reportages sur les restos U en France, où c'est une galère, sur les jeunes britanniques qui vont pas à l'école, qui se font péter la gueule, il y a de la violence, il y a tout ce que tu veux. On n'en peut plus, des idées à la con. Engagez-vous pour de vrai, merde. Voilà. Non, mais ça y est, tu vois, ça me saoule. Non, mais cette inversion des valeurs à la con, tout se vaut maintenant. La parole d'un jeune, c'est le nouveau Jésus-Christ. L'autre, elle s'invente une cause, on n'en a rien à cirer. Les gens qui ont des vrais messages, on fout ça dehors. Ça va, quoi. Ouais, c'est bon. Je suis énervé. Ouais, ça, alors, puis je suis énervé, on n'est qu'au début. J'ai même pas encore parlé du racisme à l'Assemblée. Ah, on n'en peut plus. Ouais, Guy Moquet en PLS, très bonne vanne, là, Mister Locke. Non, mais elle, t'en peux plus. Janine Moquette, là, ça va. Ça suffit avec tes lunettes. Non, mais c'est bon. Ça m'énerve. Tu vois, n'importe quelle connerie, maintenant, ça fait la une. Et puis, on en parle pendant des heures, quoi. Putain, mais c'est pas le sujet, bordel. C'est pas le sujet. Ça va, mais faut... Bref. Ouais, voilà. Ouais, ça m'énerve. Et là, on va parler de l'Assemblée nationale. Donc, tu vois, je suis à peine chaud, là. Je suis à peine chaud. Non, mais ça me saoule.
C'est terrible. Tu regardes Twitter, t'as que des conneries comme ça, quoi. Que des merdes. Les types s'engagent pour la planète, c'est des hommes, c'est pas des femmes. L'autre Camille Ajado, là, elle a 13 ans. D'où tu parles déjà comme ça à un adulte? En plus, c'est un représentant politique, on l'aime ou on l'aime pas. Elle le tutoie, tu vas te calmer. C'est pas mademoiselle, c'est pas madame. Ouais, mais c'est pas madame, c'est pas mademoiselle. Mais en fait, t'es en cinquième, Jessica. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, on s'en fout, madame, mademoiselle. On peut plus. Non, mais on rigole. Bon, je m'énerve un petit peu. Mais si on est sérieux, si on devient sérieux 3 minutes, cette génération, elle va grandir. Hein. Parce que t'imagines bien qu'ils vont pas s'arrêter là. Ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose quand Jessica, elle aura 50 baloches. Là, on va commencer à rigoler. Parce que pendant que l'autre, elle veut des émojis lunettes, faut parler quand même de cette génération qui, déjà enfant, est dépressive au possible, où il y a des taux de suicide qui explosent chez les jeunes. Parce que c'est bien beau de Jessica qui s'invente un combat pour des émojis à lunettes, mais rendez quand même vous compte que cette ambiance généralisée se répercute dans les écoles de vos enfants, si vous en avez, ou des enfants de proches autour de vous. Dans les écoles, dès la primaire maintenant, il y a ce discours oppressant, ce discours comment dire, de désespoir complet sur on est en train de ruiner la planète, on sait pas si on est un homme, une femme et compagnie. Alors c'était bien, nous, il y a quelques temps, moi j'ai 28 baloches, tu vois, mais encore avant, bon, bah, à passer l'adolescence, tu deviens un peu con, tu vois, tu t'écoutes Kurt Cobain, tu tiens gothique, tu fais du skate, tu tues un chat, j'en sais rien, tu fais des trucs un peu vénères, tu vois. Mais là, aujourd'hui, blague à part, faut se rendre compte quand même du climat intellectuel et du climat émotionnel dans lequel on met nos jeunes. Hein. Parce qu'à l'école, ils apprennent ça. Il n'y a plus de repères. Bon, avec forcément le discours laïque, alors ça, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il n'y a plus de repères religieux, donc la foi terminée. Il n'y a plus de repères historiques, parce que le programme d'histoire, bah, la France, en fait, tu sais même pas ce que c'est. Je te dis pas qu'il faut revenir à l'école de Pétain, qu'on soit bien d'accord. Mais les repères que tu as, on les connaît plus vraiment. Les repères linguistiques, bon, bah, la France, maintenant, c'est. Enfin, le français, c'est l'écriture inclusive. Donc. C'est chaud, et il n'y a plus de repères, on va dire, émotionnels, sur, en fait, c'est une génération qui se construit entre la génération de leurs parents qui a tout détruit et qui leur a apparemment livré un monde de merde, et la génération qui arrive, en fait, qui ne doit même pas voir le jour, parce que faire des enfants, ça pollue. Donc, c'est sympa, mais moi, je pense à nos jeunes, en vérité, bon, effectivement, c'est fini, je suis un vieux de la vieille. Mais bon, quand après, on voit des courbes de suicide qui explosent chez des enfants, faut qu'on se pose 5 minutes parce que là c'est sympa comme tout, mais l'autre avec ses lunettes, t'as des jeunes qui vont voir ça et qui vont dire putain, mais elle a raison. Moi j'ai des lunettes, on se fout de ma gueule parce que la cour d'école et c'est Koh-Lanta fois 10. Ben, tu vas faire quelqu'un qui est dépressif et qui va penser que son salut passe par l'obtention d'émojis lunettes, tu vois. C'est aussi ça qui me fait peur en vérité. Donc voilà, bon, bref, ouais, j'ai fait mon petit coup de gueule, ça mange pas de pain, hein. Vivement les vacances quand même. Mais on va venir au gros sujet du jour, les amis. On va en parler. On va en parler tout de suite de ce gros sujet. Alors, je vais tout vous résumer, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Hein. Est-ce un nouvel éclat raciste de cette France, le racisme rampant d'une France rance, où la bête est encore féconde, ou est-ce un énième exemple du cirque démocratique qui est désormais notre contexte politique. Juste Milieu fait son petit reportage. Alors, je vous résume tout, les amis, on va repartir de zéro. Tout s'est passé donc sur la journée du 3 novembre 2011. Alors, la journée avait bien commencé. Vraiment, journée classique hein, du côté de l'Assemblée nationale. Alors, cuit des débats sérieux, cuit d'un débat démocratique avec une opposition respectée, cuit d'un gouvernement qui écoute le Parlement. Non, il n'en fut rien, que nenni. On a eu droit avec la journée qui a commencé avec Rodrigo Arenas, député NUPES, qui est venu avec un brassard. Avant de donner la parole au prochain orateur, je voudrais demander au député Arenas de bien vouloir retirer le brassard qu'il porte sur son bras gauche qui contrevient au règlement intérieur de notre Assemblée. Je viens de lui demander par courrier, il ne veut pas se soumettre. Monsieur le député, alors, moi je veux bien faire l'exégèse du règlement, mais en son article 9, tenu en séance. Voilà, donc l'autre, il a un brassard député en grève, hein, parce qu'il estime que les députés ne sont pas écoutés actuellement, avec un gouvernement qui va à grands coups de 49-3. Alors,
sur la forme, hein, il a absolument raison. Sur le fond, bon, bah, on en revient toujours au même point, avec des arguments peut-être un poil démagos, mais s'il est vraiment en grève, s'il est vraiment rebelle, qu'il prenne son pognon et qu'il le file à des associations, à des choses comme ça, de dire qu'en tant que député, s'il fait grève, c'est qu'il arrête de représenter les Français, mais qu'au moins il trouve une solution autre qu'un coup d'éclat médiatique qui ne sert à rien, en vérité, qui ne sert à rien, qui fait ricaner Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, ça les fait ricaner, hein, regardez, l'arrêt sur image, il n'est pas fait exprès, mais voilà, ça les fait sourire, en fait. Parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle. La France vit dans un état de démocratie contournée qui ne peut plus s'appeler factuellement une démocratie. Et on met un brassard pour faire un happening, comme diraient les Américains. C'est une séquence qui va faire du tweet. Mais c'est drôle, parce que c'est drôle. Que la démocratie française s'écroule, c'est drôle. Donc on met un brassard en grève et ça fait ricaner. Donc tout a commencé comme ça. Il est autour de 15h30. Et là, va se passer une prise de parole par un député La France Insoumise du nom de Carlos Martens Bilongo qui va prendre la parole et va se passer cette séquence. Relation significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ? Voilà. Donc forcément, et moi dans l'Assemblée nationale, on entend à ce moment-là, on distingue « retourne en Afrique », crie un député, donc on est en contre-champ, donc on ne voit pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Alors, mention spéciale quand même pour la réaction. Regardez bien en bas à droite, je vais enlever ma tronche. Lui, c'est une super amie que j'embrasse qui m'a fait remarquer ça. Regardez la tête du gars. Alors, un petit peu de légèreté sur un sujet qui ne l'est pas, mais regardez quand même la tête du gars qui est incroyable, en bas à droite de votre écran. Je mets la souris dessus, vous le voyez, il est là. Regardez bien sa tête quand il entend la phrase. Et effectivement, il y a de quoi. La prévision météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Le monsieur est choqué. Le monsieur est choqué, on peut en parler. Et effectivement, il y a de quoi. Donc, un autre député dans l'Assemblée s'écrit, on entend en tout cas, retourne en Afrique. Et là, tout de suite, à l'Assemblée nationale, et c'est tout à fait normal, c'est l'émoi, presque l'émeute. Hein, tout le monde saute des bancs, il y a suspension de séance. Je vais essayer de vous retrouver la séquence avec forcément tous les députés LFI qui vont descendre de l'arène pour aller en bas du poste de la présidente, donc Yael Braun-Pivet. J'ai pas la séquence là-dessus, mais en fait, voilà, suspension de séance, tout s'arrête, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe, qui a dit ça? Alors, tu sais, moi, au début, j'ai vu l'actu, je me dis, non, ce serait trop gros, ça peut pas être un député RN, ils sont bêtes, mais quand même. Et là, on apprend que celui qui a prononcé cette phrase n'est autre que Grégoire de Fournas, député Rassemblement National, qui a déclaré cela. Alors, on va prendre le temps, vous n'inquiétez pas, de revenir sur toutes les réactions, sur tout ce qui a été dit. On va essayer de réfléchir un petit peu. Chacun a son avis. Maintenant, on peut effectivement se contenter de « c'est raciste, donc c'est un drame ». Moi, j'aimerais surtout sonder les différentes réactions. Qui a eu ces réactions-là? Et est-ce que ce sont les gens les plus outrés qui sont forcément les plus propres sur le plan de la morale? Donc, on va venir sur tout ça, vous connaissez juste mieux. Après, on peut tout à fait dire, c'est raciste, donc c'est pas bien. Fin de la vidéo, mais ça peut aller un petit peu plus loin que ça. Et donc, on a, donc voilà, tout de suite, on se rend compte que ce propos vient de la part d'un député du RN. D'ailleurs, le RN, on voit, je vous remette la séquence, on voit sur les bancs du RN. Voilà, je vous remets la séquence pour voir donc la réaction sur les bancs du RN où ils ont très vite compris que ça venait de chez eux, quoi. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Là, on est sur les bancs du RN. Et le monsieur qui a prononcé ça, il est là. C'est celui-ci. Ah merde, on ne le voit pas, j'enlève ma tronche, bougez pas. Voilà, c'est celui-ci. Grégoire de Fournas est juste là. Le petit sourire, je pense qu'il a capté qu'il disait une connerie. Alors en plus, il est con, parce que je veux dire, il y a un tiers de l'Assemblée, forcément ça s'entend. Pardon ? Voilà. Il est là, c'est vraiment le mauvais élève qui s'est fait choper, tu vois, en train de mettre son doigt dans son nez. Tu vois. Non mais... Non mais c'est pas possible.
Non mais... Attendez, mes chers collègues. Et là, forcément, basse-cour, hein, la basse-cour LFI classique, ils vont crier dehors, là encore, à juste titre, on peut l'imaginer. Non mais, qui... Voilà. Voilà, donc ça s'encanaille, effectivement, un véritable basse-cour généralisé. On va avoir, donc vraiment, là il est 17h02, hein, autour de 17h, on va avoir la réaction hein, du principal intéressé, Carlos Martins Bilongo, qui va s'exprimer sur ce qui s'est passé, ce qu'il a entendu. On va d'emblée pointer du doigt, regarder Alexis Corbière sur la droite de l'écran, je veux dire, Hollywood Boulevard, hein, vraiment, qui chiale, on dirait qu'il est en train d'enterrer sa mamie. Oui, c'est grave, mais on va y venir, après, vous inquiétez pas, on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Regardez, vraiment, mais la chialerie de Corbière, le surjeu est lamentable, mais on va regarder quand même la séquence. Une bonne quinzaine de minutes de débat. On m'a renvoyé voilà. Ma fleur écoutez, de peau. Le député France, qui a été coupé. Je suis député français, et je pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté, moi, et toutes les personnes qui sont en France et qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre, depuis 4 mois, nous siégeons ici, et on voit la vraie face du Rassemblement National. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être envoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie, j'ai eu tous les métiers du monde. Je suis député de la nation, et me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement National ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'envoie la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont de peau, ou qui sont basanées, qui ont des teints, qui ne sont pas, qui correspondent pas à d'autres personnes, et à chaque fois, ils leur envoient leur couleur de peau. Voilà, donc forcément la réaction effectivement à vif hein, du député insulté, avec Alexis Corbière vraiment, mais qui a une attitude... Bien sûr que ce qui se passe est grave, mais c'est la chialerie, c'est du jeu d'acteur lamentable. Mais qu'importe, parce que très vite, en fait, va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'a réellement dit ce député Rassemblement National, même si, on va se le dire d'emblée, qu'il ait dit qu'il retourne en Afrique en parlant à ce député-là, qu'il ait dit qu'il se retourne en Afrique, parce que la prise de parole concernait notamment les migrants, qu'il ait dit qu'il se retourne en Afrique en parlant des migrants, dans tous les cas, on n'est pas au bistrot PMU, en fait. Donc déjà, on n'hurle pas comme ça dans l'Assemblée, des conneries en plus. Alors, peut-on parler de racisme? On va tout de suite évoquer aussi cet élément-là, parce que forcément, tout de suite, on a parlé de racisme, et à juste titre, Mais là encore... On ne sait pas par rapport à quoi c'est dirigé. Si c'est dirigé face aux migrants, l'attaque de racisme, migrant n'est pas une race, hein, sauf erreur, à moins de considérer que tous les migrants sont africains. Enfin, on a en fait tout de suite une explosion nucléaire médiatique avec tout le monde qui va se jeter dedans sur une affaire qui est d'emblée scandaleuse, en fait, quel que soit le propos. Parce qu'effectivement, même s'il n'a pas dit ça, l'interprétation est claire. Je veux dire, faut quand même un demi-neurone pour comprendre que c'est franchement pas le moment de dire quelque chose comme ça, déjà dans l'Assemblée, et en plus quand un député qui effectivement à la peau noire, on s'en fout, en vérité c'est un député de la France, donc d'emblée c'est une énorme connerie. Donc on a la réaction de Carlos Martins Bilongo, on va avoir dans la foulée celle du député accusé, hein, je l'ai accusé, donc qui tout de suite voilà, va réagir au micro des médias et va déclarer cela. Une chose. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas du député qui était en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà. Que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député français de la nation, qui a la même légitimité que moi à siéger dans ses bancs. Voilà. Qu'avez-vous dit exactement ? J'ai dit, quand le député de la France insoumise parler du bateau SOS Méditerranée qui ne parvenait pas à accoster sur les côtes européennes, j'ai répondu qu'il retourne en Afrique. Voilà, donc bien sûr, il se défend en expliquant que il parlait en fait de ce bateau de migrants. Donc, réaction de toutes parts, les médias ne parlent plus que de ça. Il est revenu sur CNews. C'était ce matin, je vous remets la séquence, apparemment vous n'avez pas bien entendu la première. Il est revenu sur CNews dire exactement la même chose. Et oui, il manque la question, et la question qui permet de contextualiser ce que je réponds. Il parle du bateau d'SOS Méditerranée, dans lequel il y a des migrants
qui ne peut pas accoster sur les côtes européennes. Et il dit que ça pose une difficulté et qu'en plus, il y a des intempéries qui vont arriver et que la situation est... Et j'entends, mais c'est à ce moment-là que je retourne même en Afrique. Ce qui a toujours été la position du Rassemblement national, que ce bateau retourne en Afrique. J'entends. Voilà, donc il défend son propos. Donc en vérité, une défense qui, dans tous les cas, est nulle et non avenue, dans la mesure où déjà, on ne hurle pas dans l'Assemblée, comme si on était au bistrot PMU, et ensuite avec des propos qui, de toute façon, quel que soit l'angle d'attaque, des propos sont tout à fait scandaleux, dans tous les cas, en vérité. Et là, on va commencer à toucher du doigt le vrai problème sur cette affaire, parce que vous connaissez la guinguette, loin de moi l'idée de vous dire « Ah, c'est pas bien, hein, vraiment, c'est pas bien, faudrait qu'il soit viré, et puis terminé. » Parce que cette affaire, effectivement, on parle de racisme, le racisme est un délit, pas une opinion, on connaît la bonne phrase. Premier niveau de réflexion, pourquoi cette affaire se gère en interne ? En interne à l'Assemblée nationale. Le racisme est un délit, pas une opinion. Donc si c'est un délit, ce monsieur, on doit porter plainte contre ce monsieur. Parce que la France insoumise, forcément, reste sur la version de... il s'est adressé directement au député donc Carlos Martens Bilongo. Il a eu des propos racistes vis-à-vis de ce député. Dans ce cas, il n'y a même pas besoin de demander sa démission. Il faut qu'il y ait une plainte pour racisme, pour propos racistes. Donc, d'emblée, il y a un premier niveau où tout le monde s'accroche à ces éléments de langage. Le Rassemblement national dit « j'ai jamais dit ça », enfin, il a jamais dit ça, c'est une manipulation de la France insoumise. Et la France insoumise qui fait un mouvement pas possible. On a eu Renaissance qui a fait une pétition ce matin pour demander que Marine Le Pen vire ce député. Donc, en fait, on a un cirque fermé qui se dessine sous nos yeux dans les médias, alors que normalement, tout ça se gère au tribunal. Si c'est réellement grave, à en croire les chaudes larmes d'Alexis Corbière, ça doit aller au tribunal. Le racisme est un délit. C'est pas juste quelque chose qui peut faire que tu peux perdre ton poste de député. Donc, d'emblée, il y a quelque chose qui interroge. Où on parle, on fait des trucs médiatiques, je veux dire, à deux doigts de faire une marche en amenant le Martin Luther King français. Sauf que c'est un délit, ça doit aller au tribunal. Si c'est grave, d'après ce que dit la France Insoumise, que ça aille d'ailleurs au tribunal. Que ça aille au tribunal. Parce que c'est grave, effectivement, ce qui s'est passé, c'est grave. Quelle qu'ait été la version, d'ailleurs. Donc, d'emblée, il y a un truc qui est curieux. Et puis, ce cirque Pinder, qui continue, où là, vraiment, on touche à l'absurde, voire au puant, vraiment au niveau de puant le plus poussé, parce que vous l'imaginez bien, c'est quand même une affaire qui tombe à pic au moment où Gérald Darmanin dévoile son projet de loi immigration, où tous ceux qui ont fait barrage au RN sont en train de comprendre qu'ils ont simplement favorisé de la Macronie et que franchement, c'était pas forcément un meilleur choix. Donc, le contre-feu est allumé, c'est formidable, le contre-feu est allumé, ce qui finalement est le principal point à retenir de cette affaire, parce que qu'il se comporte comme d'affreux crétins à l'Assemblée nationale en intervenant n'importe comment, c'est pas une découverte. En plus, sur un fond de propos raciste, comme je vous l'ai dit, si c'est grave, ça doit aller au tribunal. Donc on a un immense contre-feu médiatique qui est allumé et qui permet ce genre de réaction. Alors, j'en ai pris plusieurs hein, pour vous montrer vraiment le niveau lamentable qu'on est en train d'atteindre, de manipulation médiatique, là, clairement. Et on commence avec nul autre que Tati Vapote, Elisabeth Borne. Je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Le racisme n'a pas sa place. L'Assemblée se réunira et naturellement on devra prendre des sanctions qui s'imposent. La gueule, aucune sanction. C'est pas moi qui prends les sanctions, c'est le bureau d'Assemblée. On peut faire un petit papier si vous voulez. Voilà, Tati Vapote, hein, qui n'a pas mis de pull, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, c'est bien de le voir, qui déclare « le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie ». Alors, lol, on va y revenir, parce que vous imaginez bien que je suis allé chercher d'autres séquences un peu plus anciennes. On continue avec Yaël Braun-Pivet, alors la présidente de l'Assemblée nationale, ou plutôt pionne de la cour d'école, qui, elle, de son côté, a déclaré ceci. Alors moi, j'ai entendu « retourne en Afrique ». Donc après, la question se pose de savoir est-ce que c'est retourne en Afrique ou qu'il retourne en Afrique. Donc nous allons voir avec aussi, nous avons du personnel qui est en charge du compte-rendu, nous avons les enregistrements. Donc nous allons pouvoir établir la matérialité des faits en vue de cette convocation au bureau qui pourra se tenir donc dès demain. Voilà, donc on évoque déjà des sanctions contre ce député sur la base de propos dont la version n'est pas claire, n'est pas sûre. Alors effectivement, on a le rapport de l'Assemblée nationale, il y a un texte écrit de tous les échanges, décidément, qui pointe du doigt le fait qu'il aurait bien dit qu'il retourne en Afrique. Donc
ce qui renforce d'ailleurs l'idée hein, d'une nécessité d'aller devant le tribunal et pas se contenter de 100 euros d'amende. Autre réaction, alors là on touche au sublime, là vraiment dans la Ligue des champions des salauds, on a quelqu'un qui peut aller en demi-finale avec Olivier Véran qui va déclarer ceci. Question, est-ce que la réfutation de monsieur de Fournas vous convainc ? À savoir, est-ce que l'intervention du député du Rassemblement national était raciste à l'égard de son collègue ou est-ce qu'elle était raciste à l'égard de ces migrants qui quittent les pays difficiles dans lesquels ils vivaient dans les conditions qu'on connaît sur des abris de fortune ? Je crois que la question ne se pose pas. Et ce soir, je lance deux appels. Le premier appel à Madame Le Pen. Si vous ne voulez pas que votre groupe de 89 députés soit identifié comme 89 nuances de haine, vous devez demander la démission de ce parlementaire de votre groupe à l'Assemblée nationale. Le deuxième appel, je le lance à mes collègues de la NUPES et en premier lieu à Jean-Luc Mélenchon. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus associer vos voix à celles du Rassemblement national, quelles qu'en soient les conditions. Voilà, donc Olivier Véran, vraiment, politiquement, ce comportement, je ne parle pas de l'homme bien évidemment, mais politiquement, ce comportement est au niveau de... ce qu'on peut faire de plus pourri, de plus lamentable. Ces mêmes personnes qui, au moment de l'affaire Lola, expliquaient qu'il ne fallait faire aucune récupération politique de ce genre d'affaires. Là, on parle, en tout cas d'après leur dire, d'un drame raciste, d'une catastrophe raciste. Et Olivier Véran débarque et nous explique qu'en fait, il faudrait virer ce député-là et pour la France Insoumise de ne plus jamais voter avec le Front National. Sinon, ça veut dire qu'ils sont racistes. C'est vraiment un raisonnement mais de pourriture. Politiquement, c'est de la pourriture, vraiment. Mais parce que ça explique l'état de démocratie dans lequel nous sommes. En plus, je veux dire, il dit n'importe quoi. Les migrants sont une race, désormais. C'est quand même une première nouvelle. Hein. Rappelons quand même, parce que ce qui est important, c'est que là, on atteint les sommets de la manipulation du langage. Hein. On parle souvent d'Orwell 1984, les amis, nous y sommes depuis un bout de temps, dans la mesure où, déjà, qu'est-ce qu'un migrant ? Je vous rappelle que je vais partir en vacances en Espagne, je suis un migrant. Il faut quand même rappeler que le mot migrant est complètement galvaudé, et pour Olivier Véran, donc migrant est désormais une race, ces migrants qui traversent les mers avec des abris de fortune, donc apparemment ils partent dans une maison, donc là, c'est n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Rappelons quand même que c'est un monsieur qui a combattu, je cite, un début de burn-out en allant regarder les arbres. Ce même monsieur qui nous a parlé de cohérence, hein, de la pensée magique de Raoult, qu'il décrivait comme un charlatan. Donc Olivier Véran est véritablement un guignol sur la scène politique, je parle de l'homme politique, est un véritable guignol qui raconte n'importe quoi, qui vient surfer sur un semblant de scandale, parce que, soyons clairs, s'il n'y a pas de poursuite devant le tribunal et que tout se règle en vase clos dans cette espèce de Versailles démocratique qui est devenu l'Assemblée nationale, c'est bien la preuve que c'est une affaire, c'est une connerie, c'est une véritable connerie et qu'on est très loin du drame raciste dépeint par la France insoumise. Que certains députés du Rassemblement national soient, là encore, politiquement des crétins, c'est pas une découverte. De là à hurler dans l'Assemblée qu'ils retournent à l'Afrique, mais genre même dans un bistrot PMU, peut-être à 4 grammes, mais on ferait pas ça. Donc je veux dire, rien ne va de tous les côtés. Et on a ce gouvernement qui se comporte un petit peu comme des mafieux et qui vient expliquer, voilà, qui vient régler les comptes. Quand je parle de mafieux, je pense par exemple hein, à ce qu'a révélé le Canard enchaîné sur le Conseil des ministres. C'était mercredi, dans le numéro de mercredi, Emmanuel Macron, pendant le Conseil des ministres, a dit à ses ministres, je cite, « Ils veulent vous vider un chargeur dans la tête en parlant de l'opposition. » Donc voilà le rapport qu'entretient aujourd'hui le gouvernement avec l'opposition. Ces gens-là se comportent politiquement comme des mafieux. Et tout ça se vérifie avec ce genre de comportement. Et à la limite, tu te dis, bon, je ne suis pas électricien, mais en termes de culot, Olivier Véran est déjà pas mal. Mais non, c'est Darmanin qui est allé aussi de son petit commentaire et qui nous a dit, grosso merdo, la même chose. Cet après-midi, il y a une motion de censure. Est-ce que la France Insoumise considère qu'elle doit toujours accueillir les voix du Front National ? Donc vous demandez la France Insoumise de retirer sa motion de censure ? D'abord, est-ce qu'elle peut dire oralement ? Comme certains présidents de région, rappelez-vous, de l'époque, moi j'étais dans un parti gaulliste, disaient « nous ne voulons pas des voix du Front National ». Et est-ce que, deuxièmement, devant l'incroyable de cette situation, l'horrible de cette situation, est-ce qu'ils ne pourraient pas retirer leur motion de censure par dignité pour éviter que, justement, le Rassemblement National, qui a déjà annoncé hier soir qu'il voterait leur motion de censure, ils n'ont rien à voir avec ces gens-là. Voilà. Le raisonnement de Gérald Darmanin
rendez-vous compte, mais on est au-delà de l'opportunisme politique de ce gouvernement, de toute façon, qui n'a même pas à avoir peur d'une motion de censure, dans la mesure où les Républicains ont définitivement abandonné toute forme de courage et soutiennent le gouvernement sans le dire. Donc, en plus, Gérald Darmanin vient jouer une pièce de théâtre dont il connaît déjà l'issue. C'est que les motions de censure ne servent plus à rien. Soyons clairs là-dessus. Là aussi, c'est du spectacle où, à chaque fois qu'il y aura le 49-3, on va y aller de la motion de censure. Et Gérald Darmanin, mais je veux dire, là encore, politiquement, c'est ordurier, c'est un pourrissement de la déontologie politique où il vient dire, mais un truc qui n'a rien à voir. Au sujet d'une affaire, je le cite, l'horrible de la situation. A-t-il dit la même chose sur l'affaire Lola ? Enfin, au-delà de dire qu'il ne fallait pas de récupération, il parle de l'horrible de la situation. Rendez-vous compte à quel point c'est grave, et j'en conviens, mais allons au tribunal. Réglez pas ça sur BFM TV. Donc, c'est lamentable. Et il vient expliquer que, en fait, c'est tellement horrible, hein, l'horrible de la situation, qu'il faut retirer la motion de censure. Rendez-vous compte. Sinon, des gens vont voter avec le Rassemblement National. Mais Gérald Darmanin, qui oublie peut-être un petit peu rapidement que Éric Dupond-Moretti, au soir des législatives, ou avant les législatives, au moment des législatives, avait déclaré qu'il se sentait prêt à avancer avec le RN. Fin de citation. Donc, mais qui sont ces politiciens au comportement ordurier qui sont prêts à... Mais c'est même plus mentir, en fait. C'est un réel tordu au point que... Tout ça n'a plus de sens, mais vous les mettez face à leurs propres propos, ça tient 5 minutes. Et si une banane comme moi est capable de le faire, d'avoir cette petite mémoire de leur citer 3-4 faits en disant « mais en fait, vous êtes en contradiction avec vous-même », c'est que les journalistes, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils le veulent. Ça semble évident. Le journaliste qui est là, il suffit de lui dire « mais monsieur Darmanin, votre ministre de la Justice, au-delà du fait d'être mis en examen, a proposé d'avancer au moment des législatives, d'avancer avec le RN ». Fin du débat, fin du débat. Ils n'ont aucune cohérence, ils n'ont aucun squelette politique, et tout ça est auto-entretenu au sein de l'Assemblée, qui est devenue une sorte de Marrakech du rire, avec plus de clowns que de fou rire, au sein d'un système médiatique qui est devenu une alcôve de protection d'un monde politique pourri, en tout cas ce qui nous est montré. Je tombe pas dans le tous pourri, parce que bien sûr que beaucoup de gens font bien leur boulot, même parmi les députés et compagnie, je tombe pas dans le tous pourri, mais je parle d'un pourrissement intellectuel généralisé, et qui se manifeste là-dessus. C'est-à-dire, ces mêmes gens qui vous disaient il y a quelques jours pas de récupération politique sur l'affaire Lola, et aujourd'hui sur une affaire, l'horrible de la situation, qui vient demander le retrait d'une motion de censure sur un projet de finance, de sécurité sociale, je crois, ou de finance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà, ça c'est pour les réactions, et puis on va continuer à creuser, parce qu'il y en a encore certains qui n'ont pas vomi. Donc comptez sur moi, on va continuer encore un petit peu, parce que c'est grave. Effectivement, c'est grave, vous avez mon avis désormais. Je trouve ça tellement grave que ça doit aller au tribunal, et pas se contenter des chialeries de Corbière ou des réactions lamentables des uns et des autres, tout parti confondu, enfin en tout cas RN, Renaissance et LFI, parce qu'il y en a d'autres aussi qui n'ont rien fait. Mais... J'ai regardé un peu les dossiers, moi. Et c'est vrai qu'un propos raciste à l'Assemblée n'a pas sa place. Ça, c'est clair. Et il ne l'aura jamais, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut reparler de l'affaire Rémy Rebeyrotte ? Alors, ça fait chier parce qu'il a un prénom qui est quand même assez chouette. Mais Rémy Rebeyrotte, c'est un monsieur, le 20 juillet 2022, donc je ne vous parle pas, il y a 20 ans, qui avait fait un salut nazi à l'Assemblée nationale pour se moquer d'un député RN, déjà à ce moment-là. Et Rémy Rebeyrotte, comme sanction... Vous savez ce qu'il a eu ? Alors non, il n'a pas été pendu sur la place publique. Non, il n'a pas été viré. Non, il n'a même pas eu droit à une larme d'Alexis Corbière. Il a eu un rappel à l'ordre. Alors que Jean Lassalle, qui en 2018 avait arboré un gilet jaune, avait été sanctionné de 1500 euros d'amende pour avoir porté le gilet jaune. Salut Nadi, ça va, c'est rappel à l'ordre. Et là, c'est marrant parce que personne ne s'était saisi de ce problème-là. Personne n'était venu dire « salut nazi à l'Assemblée, c'est quand même inacceptable. Il faudrait qu'il soit licencié, c'est grave, il faudrait virer. On n'a pas vu de larmes d'Alexis Corbière, on n'a pas vu Gérald Darmanin venir critiquer un député de son propre parti. On n'a rien vu. On n'a rien vu. » Et je réponds pour nourrir un petit peu le débat, et c'est intéressant, parce qu'on papote ensemble les amis. Il y a Princesse Zouga qui dit « mais Rémy, en disant que ça doit aller au tribunal, tu poses déjà un jugement, il faudrait peut-être rester à ta place quand même. » Alors, tout à fait, mais en tant que citoyen, nul n'est censé ignorer la loi. Et justement, un propos raciste est un délit, donc qualifié par la loi.
Donc s'il y a un délit, c'est qu'il doit y avoir une poursuite. De là, aller au tribunal, effectivement, peut-être pas. Il peut y avoir juste une amende. Je ne connais pas assez le code civil pour savoir quelles sont les sanctions liées à un propos raciste. Mais quand je dis que ça doit au moins être poursuivi en justice, c'est simplement cette phrase qu'on nous répète à peu près tout le temps de « le racisme est un délit et pas une opinion ». Très bien, mais appliquons-le. Appliquons-le. Parce que si vous tenez un propos raciste dans votre entreprise, vous n'allez pas simplement prendre une sanction au sein de l'entreprise. Vous allez être poursuivi en justice, au-delà de l'entreprise. Donc, c'est juste ça. Alors, après, il y a le débat de savoir est-ce que c'est un propos raciste ou pas. Il y a Duduc Savocat qui dit ça. Moi, je sais pas, mais dis donc que je fais confiance aux larmes d'Alexis Corbière, je fais confiance à la France Insoumise qui... en fait, je fais confiance. Si vous voulez, moi, j'observe. En tant qu'observateur, pour essayer de rester le plus objectif possible, je regarde les réactions. D'un côté, on a le RN qui dit « c'est rien passé », et de l'autre côté, il n'a pas dit ça, ou c'est pas si grave, ou c'est pas machin, c'est de la manipulation et compagnie. Et de l'autre côté, il y a la France Insoumise qui va expliquer que c'est un propos raciste tout à fait scandaleux et qu'il faut virer ce député. Renaissance fait une pétition pour entraîner la démission, que Marine Le Pen vire ce monsieur. Donc, j'essaie d'observer, soit le RN dit vrai, et tout ça n'est que un spectacle politique, soit LFI dit vrai, et dans ce cas-là, ils doivent poursuivre en justice. Ça ne peut pas se régler en interne à l'Assemblée nationale, c'est absurde. Parce que là, ça voudrait dire que ce n'est pas si grave que ça. Donc si on est à un tel niveau de gravité, que les propos sont qualifiés comme racistes, que ça aille en justice. Sinon, la France insoumise n'est pas cohérente. Ça veut dire qu'ils viennent chialer devant la caméra, en tout cas Alexis Corbière, ils viennent en faire des caisses et des caisses pour dire « c'est raciste, c'est tout ce que vous voulez, et compagnie », il faut que ça aille en justice. Si ça ne va pas en justice, c'est que ce n'est pas si grave que ça. Donc, c'est juste ça, le petit raisonnement que je vous dis, mais en fait, bien sûr que j'ai un avis sur cette affaire, mais j'essaie vraiment de vous donner, à la lumière de tous les faits, de tous les éléments qu'on a, les deux types de raisonnement, à mon avis, qu'on peut adopter. Soit on est OK avec le RN, et c'est pas si grave, et c'est pas raciste, OK, et ça, c'est une manipulation, ce que vous voulez. Soit on est OK avec un LFI, mais dans ce cas-là, il faut que ça aille en justice. C'est juste pour vous donner un petit peu... j'ai mon avis qui est au milieu de tout ça, mais je veux, comme d'hab, vous connaissez la maison, me contenter en fait, de vous donner les faits, proposer pour moi ce qui semble être les pistes les plus cohérentes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, c'est pas à moi de dire il faut le juger et compagnie. Moi, j'ai un avis de citoyen, à la limite. Ça pourrait être mon avis, mais... c'est pas, bien sûr, une injonction à ce que ça se fasse, qu'on soit bien d'accord. Donc, je reviens à mon affaire de salut nazi. Là, il n'y avait pas de problème. Salut nazi dans l'Assemblée, c'était rappel à l'ordre. Et c'était un député de La République En Marche. Donc, c'est intéressant parce que La République En Marche, pour un salut nazi, ils ne se sont pas mobilisés comme ça. C'est quand même curieux, c'est quand même très intéressant. Et puis, on va remonter parce que c'est vrai que les propos racistes, bien sûr, sont tout à fait scandaleux. Des gens qui tiennent ce genre de propos doivent être écartés de la vie politique, considérés comme des gens haineux, comme des gens méchants et compagnie. Et c'est Emmanuel Macron qui a réagi, qui a dit... Emmanuel Macron, c'est un article du Parisien d'hier à 18h11. Emmanuel Macron, heurté par des mots intolérables, selon son entourage. Et c'est vrai que c'est intolérable. Et moi bien sûr, je me bagarre... contre le racisme et contre ce genre de déclaration également. Parce que ce qu'a dit le député RN, c'est intolérable, mais ce qu'a dit ce monsieur, alors je ne sais pas qui c'est, si vous avez des infos, je ne connais pas bien, mais ce monsieur qui parlait des Kwassa-Kwassa au large des Comores. Mais le Kwassa-Kwassa pêche peu. Il amène du Comorien. C'est différent. Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un Kwassa-Kwassa, 6 morts et 10 disparus. Un nouvel accident de Kwassa-Kwassa. Ils étaient 43 Comoriens. Voilà. Emmanuel Macron qui faisait des blagues sur les bateaux de migrants, sur des gens morts en mer, en fait, tout simplement. Et là, c'était pas raciste. Donc... moi, je suis d'accord, moi, je suis heurté par de tels propos, ça, c'est vrai. Moi, je suis vraiment heurté. Donc, voilà. N'en faisons peut-être pas des caisses sur... voilà. C'est peut-être là, en fait, mon avis à la fin, parce que je ne veux pas non plus vous servir de l'eau tiède pendant 2 heures. Mon avis là-dessus, c'est que les réactions sont disproportionnées, surtout émanant de gens qui feraient mieux de se laver un petit peu les mains, qui feraient mieux de faire preuve d'humilité, de modestie. Je ne dis pas qu'ils ne devraient rien dire, mais... Quand même, c'est peut-être ceux qui hurlent le plus et qui ne sont pas directement concernés. Donc bien sûr, ce député Carlos Martens Bilongo, bien évidemment, que les micros se tournent vers lui qui a vécu ça. Par contre, que les micros se tournent vers d'autres
qui ont eu des propos parfois un peu curieux. Hein. Donc voilà, cet excès de réaction, je trouve, n'est pas forcément bon signe de la part de gens, qui, hein, que ce soit RN ou LFI. Comme je vous l'ai dit, si c'est si grave pour LFI qu'ils poursuivent en justice, et ils auront gain de cause, à n'en pas douter. Si ça reste en interne, c'est que tout ça est peut-être un petit peu de la cagolerie destinée à attirer le flash des caméras. Donc voilà un petit peu, les amis, hein, ce résumé de cette affaire. Alors, maintenant, on passe aux réactions, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, à réagir. Si vous voulez venir sur le Discord pour en parler, on peut faire radio libre. Il y a l'écran exprès, tu vois. Paf, quand il y a un invité, on voit sa photo de truc là, de Discord, et puis on peut parler. Donc si vous voulez intervenir sur Discord, donnez votre avis, qu'on papote, si vous êtes d'accord, pas d'accord, bien évidemment, c'est tout le sujet. Donc, voilà un petit peu les amis, tout ce qu'on pouvait dire hein, sur cette affaire, c'est de vous proposer le résumé après. Voilà, est-ce que d'après vous, c'est de la récupération, de la manipulation, ou un véritable fait raciste? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a Babcom5 qui serait chaud pour intervenir sur le Discord. Alors, est-ce que tu es déjà membre du Discord juste milieu? Edouard en régie, est-ce que tu peux nous gérer ça? Alors, il faut envoyer un MP, message privé, pour passer en radio libre sur le Discord. Ouais, je suis prêt, hein, je suis dessus, moi. Là, attention. Là, maintenant, je suis prêt à intervenir. Ouais, là, c'est parti. Là, c'est parti. Alors, Chaotique TV, en attendant, hein, si vous pouvez nous brancher ça en régie, tu n'as pas parlé de la conclusion de la haine, alors, enfin, de l'Assemblée nationale, sauf erreur, ils sont dans l'enquête, justement. Je crois qu'il n'y a pas eu de conclusion encore. Il y a eu le procès verbal de ce qui s'est passé, en fait, le relevé des propos, comme il arrive à chaque fois. Mais il me semble que, pour l'instant, il n'y a pas eu de conclusion. Alors, mercredi prochain, c'est Al-Kadim qui nous dit ça. Mercredi prochain, la conclusion. Donc, affaire à suivre là-dessus. Donc, ouais, non, mais c'est vrai que c'est terrible. Hein. Franchement, c'est terrible. Voilà. Et il y a Benoît P. qui résume bien, hein, qui donne son avis, qui dit « De la connerie de la part du député RN et de la récup pour les autres. » Effectivement. Hein. Et puis, ouais, t'as un équilibre. Hein. C'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal, ce genre d'affaires. Oh, c'est important. Hein. Ouais, Seb Chef 17 qui dit « Ce problème de racisme, c'est pour noyer le poison. On ne parle pas des vrais sujets. » On peut papoter aussi. Moi, tout se tient. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a des choses un peu curieuses dans cette affaire. On ne va pas se mentir non plus. En tout cas, je me tiens prêt. Hein. Si jamais voilà, quelqu'un m'intervient sur le Discord, là, je suis sûr. Il y avait une histoire de live. Ouais. Truc live. C'est bon, je suis dessus, Edouard. Je suis sur le truc live si quelqu'un veut y aller. En attendant, il y a FX Jouflo qui nous dit « Rémi, la liberté de parole totale et possible si et seulement si on a une foi totale dans les arguments. CF, premier amendement US, laisser les racistes s'exprimer et les casser par l'intellect, c'est ça la vraie France. » Ah oui, on est d'accord. Alors, on me dit dans l'oreillette, alors Babcom 5 vient d'arriver, je mets l'écran comme il faut. Allô Houston à la base, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on m'entend? Je suis dans le live, je suis pas dans le live. Je suis là, comment on fait? Ça marche pas. Allô. Oh, il m'entend, il est là, comment il va? Oui. Impeccable. Babcom 5, comment vas-tu? Bah, ma foi, ça va, merci. On bricole. Alors, donc là, on est en direct. Hein. Dites dans le chat, normalement, si tout le monde nous entend, on a Babcom 5 qui est là avec nous pour parler de cette affaire. Alors, justement, dis-moi tout. Bah, en fait, du coup, je pense que tout a été dit dans le chat, mais j'adhère complètement à ce qui a été dit. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une grosse connerie de sa part aux députés RN. Je pense sincèrement, et c'est un black qui parle, hein, je suis noir, donc je pense sincèrement qu'il a dit qu'il retourne en parlant du bateau. C'est une énorme connerie, on est d'accord. Ouais. Mais il y a eu d'énormes récupérations de l'autre côté. Et ça tombe à pic, en fait, parce que pendant ce temps-là, on ne parle plus du 49-3. On ne parle plus des vrais sujets, en fait. Et ça, vous allez voir, je suis sûr et certain que ça va nous durer tout le week-end. Ils vont aller nous chercher tous les antiracistes, les antifas, etc. Ils vont monter sans sauce pendant tout le week-end et Renaissance va en profiter pour faire passer le maximum de choses. Et après, on va se réveiller avec la gueule de bois et voilà. Ouais, ouais, effectivement. Tu penses qu'il y a ce surjeu un peu de l'opposition, oui et non, en gros, de la France insoumise, même de la République en marche et tout ça. Et que derrière, ça va permettre justement de détourner l'attention aussi sur le projet de loi immigration, par exemple, de Darmanin ou autre.
Mais bien sûr, d'ailleurs, on l'a très bien vu avec Olivier Véran et Darmanin. Dès qu'ils ont dit, ah ben super, comme ça on fait sauter la motion de censure, on va tout faire pour les rediaboliser à fond. Et ah oui, c'est du pain béni pour eux. Je pense qu'ils ne l'attendaient pas, ils ne pouvaient pas espérer mieux en fait. Ouais, c'est clair que ça tombe bien, puis l'ampleur que ça prend, c'est impeccable, quoi. Là, Mais on parlera quand plus de je la dis rentrée. ça, je ne dédouane pas le fait qu'il a dit une connerie, on est Bien d'accord, sûr, hein. bien sûr. Non, mais tout à fait. Comme j'essayais de dire tout à l'heure, c'est absurde dans tous les cas d'emblée, en fait. Quel que soit le propos, quelle que soit la tournure, et là, on n'a pas à intervenir. Bon, tu vas me dire, c'est tout le temps comme ça à l'Assemblée nationale, mais intervenir comme ça, comme au bistrot PMU, pour dire de telles conneries, enfin, dans tous les cas, c'est débile, quoi. Ah bah, ça, après l'intervention à l'Assemblée, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des interjections comme ça. Et entre nous, il y en a eu des bien pires. Hein. On en a entendu des bien pires. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de la récupération. Parce que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, l'autre qui se prend un rappel à l'ordre, voilà quoi, deux poids, deux mesures, allô, allô. Mais bon. Non, c'est vrai que le décalage est terrible, enfin, de cette affaire de salut nazi et là de cette nouvelle affaire qui prend une ampleur dingue, c'est horrible parce que les deux sont à condamner, enfin condamner en tout cas, doivent être mis en lumière pour qu'il y ait sanctions, des choses comme ça, mais presque si on pousse un peu le raisonnement jusqu'au bout, et c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est à se demander si justement un salut nazi ne les choque pas, quoi, finalement. Si on prend le truc de manière peut-être un peu naïve. On voit de telles réactions pour un propos raciste, sur un salut nazi, ils disent rien. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait presque se demander s'il n'y a pas une interprétation à en tirer, quoi. Bah, en même temps, je veux pas jouer les complotistes, mais quand on a un BHL qui marche sans problème à côté d'un mec qui est plus que douteux, bon, moi, j'ai mon idée qui est arrêtée depuis un petit moment sur ce sujet-là. Mais bon, j'irai pas plus loin pour pas faire sauter ta chaîne. Ouais, déjà que j'ai insulté la fille avec l'emoji lunette tout à l'heure, on est mal barré, quoi. Ouais, en plus. Non, mais excellent en tout cas. Un plaisir de t'avoir eu, mon Babcom 5, un fidèle, Merci fidèle, beaucoup. le chef fidèle. Merci à toi, t'es le bienvenu, hein, pour les prochaines émissions après les vacances. Hein. Alors, Avec plaisir. Ça va, merci beaucoup. Salut. Merci d'être intervenu. Voilà, que du. La technique, c'est beau quand même. Il n'y a pas à chier. Hein. Vous avez vu l'efficacité. Merci à mon Babcom 5, incroyable. Incroyable. Ça, c'est le plaisir. Hein. C'est radio libre. Hein. Tu vois, c'est radio libre. On sait juste, c'est l'esprit juste mieux. Donc vous êtes les bienvenus, t'as vu, c'est la bonne franquette, on est entre nous. Hein, tu viens, tu papotes. Hein. Il y a mon Bignac qui était déjà venu, il y a mon Babcom 5 aujourd'hui, c'est la famille. On est bien, on est bien. Donc voilà les amis, ça fait plaisir en plus de papoter, d'échanger avec vous. Que du plaisir. Il y a une maîtrise technique, merci Edouard en régie. Tout ça est calibré. C'est incroyable ce qui se passe. On le fera davantage parce que c'est vrai que Edouard avait bien tout préparé là-dessus et ça fait un mois presque qu'on ne l'a pas fait, même un peu plus. On va refaire ça et le quiz. Je vais revenir de vacances, ça va chier des bulles carrées. Je vous le dis tout de suite. Donc, voilà les amis, on arrive un peu. On a fait le petit tour là, de cette grosse affaire du jour. Alors, affaire à suivre, effectivement, je souscris à 100% de ce que nous a dit. L'ami Babcom 5, voilà, on verra ce que ça va donner. Là, tout le monde doit faire la tournée des popotes avec ça, mais en attendant, effectivement, ça va noyer le poisson. Affaire à suivre. Je vous avoue, je vais pas vous mentir. Je vais un peu enfin, des oui et non parce que c'est ma passion, mais je vais un peu déconnecter de tout ça pendant les vacances. Vous me tiendrez au courant de si ça continue à être le cirque Pinder ou pas. On verra. Donc. Les amis, est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce juste bistrot, dernier juste bistrot, avant les vacances? Alors, voilà, c'est fou, hein. Ça une semaine, un peu plus d'une semaine, on va revenir en forme. J'ai encore du gaz, hein. T'inquiète pas, j'ai encore du gaz. Ah, et puis en plus, il y en a qui suivent, c'est bien, il n'y a plus de saison qui dit, ouais, on va commencer les vacances en plus avec les grands buffets de Narbonne, avant de prendre la route. Ça va être incroyable. Ça va être que du plaisir. Donc, les amis, voilà, on va finir un peu là-dessus, gentiment, hein, gentiment, que du plaisir, que du plaisir. Ça va être absolument zinzin, voilà. On a 10 petits jours là de pause, puis on revient jusqu'à la fin de l'année. Crois-moi bien que. Ah non, mais sky is the limit. Hein. Là, ça y est, on y est, on y est. Donc, les copains, voilà. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Que du plaisir, vous le savez, surtout tout de partout, la chaîne YouTube, les réseaux, tout le monde, tout grandit à vitesse grand V grâce à vous. C'est voilà, c'est la deuxième année, juste milieu, c'est complètement dingue.
Puis l'année prochaine, on continue. L'année prochaine, on continue. Ouais, on va fêter le deuxième anniversaire de Juste Milieu en décembre. Genre le 6 ou le 10, quelque chose comme ça. On va fêter l'anniversaire, donc ça va être complètement dingue. On fera un petit truc spécial, place aux vacances. Maintenant, enfin, encore la conduite, après, bip-bip. Et puis après, c'est les vacances. C'est les vacances. D'abord, il y a rugby. Demain, je suis encore à la baraque. Demain soir, il y a rugby avec les copains, ça c'est important. France-Australie, on n'oublie pas. Premier match également handball féminin, l'Euro de handball féminin. Premier match France-Macédoine, si je dis pas de conneries. Il y a un camarade qui m'a envoyé, regarde. On est un réseau de gens avec des centres d'intérêt. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais c'est France-Macédoine du Nord, premier tour préliminaire de l'Euro de handball à 18h sur TMC. On va saluer nos bleus du handball, champion olympique en titre, on espère pour un nouveau titre. Ça, c'est samedi. Et puis après dimanche, direction le sud de la France. Et puis voilà. Et puis voilà, les copains. Donc, merci à vous une fois de plus. On se retrouve d'ici 10 jours, plein gaz. Vraiment, là, accrochez-vous à votre slibar parce que ça va envoyer jusqu'à la fin de l'année. Et jusqu'à plus soif, en vérité. Donc, je vous embrasse. Encore un immense merci à mon Babcom 5 d'être intervenu. N'hésitez pas à réviser pour le retour des vacances. Je veux tout le monde qui passe au Radio Libre. Ça va être sympa comme tout. Je vous embrasse. Je vous salue bien bas. Prenez soin de vous pendant ces petites vacances-là. Enfin, je parle pour moi. Ouais, je suis un peu le beau. En même temps, partir en vacances mi-novembre, il faut être con. Mais bon, c'est pas grave, on va se régaler quand même. Je vous embrasse. À très, très vite. Rendez-vous le 15, juste vite, 11h30. Allez, à vite.